elle s'était lancée, Morane. Voilà l'instant, Mathieu Depilleur devant nous. Qui encadre ce garçon. Passage. Avant cela, c'est Taysom avec la Porsche 914 qui se présente à nous. Voiture atypique, hein, cette Porsche. Oh, ouais, c'était chaud aussi. Là, je peux être très performante. Allez, une voiture qui est impressionnante, c'est celle qui vient de prendre le départ à l'instant. Brian Kerwan sur la Peugeot 205 WD. Il évolue dans le tour de 280 tons. La particularité de ce moteur à plat, Pierre, c'est que. Tout de suite d'avoir les informations sur le chrono qui ne s'affiche pas encore en écran, parce qu'il va falloir attendre. Et notamment cette petite touchette en pédalité électrique. Voilà, pas bien bonjour ici au fer à cheval. La grosse attaque de pas bien bonjour. Junior pour aller chercher la baguette de pain dimanche matin. Hein. Voilà, exactement, là voici cette auto. Bon, exactement, et on va continuer l'évolution avec Peter McKinley à l'instant sur la Ford Escort MK2. On adore regarder ces vidéos. Hein. L'organisation sont à la mesure de la qualité de l'organisation globale, bien sûr, de cette épreuve et de ces deux événements qui sont bien sûr.
ce que c'est arrivé. Oui. Oh, Jakacheco. Petite chaleur. J'allais vous dire que Jakacheco existe cet incident. Où l'on soit Mathieu Thébon maintenant avec une autre équipe pour essayer de donner les chronos. On a un petit peu perdu le fil là. Voilà Dimitri Pereira qui se présente jusqu'à nous. La montagne, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Là aussi le Mouna Machado en tout cas. Anthony Dubois, à l'instant, 1:28:16, c'est le meilleur temps absolu. Avec, on le rappelle, 49 concurrents qui étaient engagés, 47 qui ont pris le départ, moins quelques concurrents malheureusement. On pense notamment à cette magnifique voiture de Simon. Pas touché, ça c'est la très bonne nouvelle. Maintenant on lui souhaite un prompt rétablissement, beaucoup de courage, parce que maintenant c'est beaucoup de temps qu'il va falloir. Et oui, bien sûr, on va y penser. Avec tous les sociétés de ce groupe, et notamment le club de quelques catéranes, de quelques compétences, avec le bon blocage qui se fait il y a un instant avec Giant Heap. Il y a modifié par certains préparateurs, on va le voir notamment en fin de tournée, je me parle ici. En tous les cas, on peut voir que ces garçons. Thank you.
sur le mur est en 1.33. Premier temps qui se présente à nous, troisième des essais, le pilote de la team. Sa place sur la ligne de départ, on peut constater à Sébastien Lemaire et juste en dessous de l'écran. Se faire un cheval, et là maintenant la question va être de savoir où va se situer. Performer à pareille fête, et on verra justement maintenant comment Romain Richardot va pouvoir contenir. Et que celui qui arrive sur la ligne, pas sur la ligne, mais pardon, qui est ici, sur la zone du été victime tout à l'heure d'un problème mécanique, donc on est ravis de vous retrouver. Il va falloir attendre demain matin pour la première manche de la journée de musicale. Là, on va pouvoir vous permettre de figer. Livre d'ailleurs à ce sujet. Voilà la 6-4 prédire quand est-ce qu'elle tourne avec votre ami Jean-Claude. Pas tout à fait, hein, que cette porte qui est tout simplement rentrée dans le cadre du GTPS. FC, évidemment. Oui, tout à fait, on suit Francis Omaoni, un Varois qui a été brillant depuis. Oh là là, le travail de Francis Omaoni. Francis qui est un Rayman en vertébré, bien sûr. Pas de touchette. Thank you.